Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un haul automnal cette fois-ci. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve que les collections sont vraiment super sympas. Et j'ai craqué notamment chez Zara parce que Zara, franchement, je trouve que leur collection cette année est juste trop bien. Depuis le printemps dernier d'ailleurs, parce que j'achète vraiment depuis le printemps dernier. Je trouve que les collections sont vraiment très très jolies. Alors je vais commencer, en fait, j'ai commandé ça sur internet et je vais commencer par ce petit short qui est juste trop mignon. Là en ce moment, c'est vraiment ma couleur, le vert bouteille. Et c'est un short que voilà, que j'aime beaucoup porter en ce moment. Il a un petit nœud, bon là il s'est défait. Mais il coûte pas très cher, il coûte 20 euros. Franchement, ça vaut juste trop le coup. Et c'est vraiment un short que j'adore porter en ce moment. J'aime beaucoup, je l'associe avec pas mal de choses, pas mal de couleurs et tout. Et je crois qu'il rend vraiment très très bien. Ensuite, je vais avoir cette chemise là. Celle-ci, j'ai craqué depuis vraiment très très longtemps. Et je sais pas pourquoi je l'avais dans les mains l'autre jour chez Zara et je sais pas pourquoi je l'ai pas prise parce que je l'aime beaucoup, je l'ai revue sur le site et je suis non franchement il faut que je craque sinon je vais regretter. Et du coup je me suis acheté celle-ci, je l'adore, franchement c'est vraiment le petit, le col en fait qui fait toute la différence. Et c'est vrai qu'il y a des petites broderies etc et du coup enfin moi je la trouve vraiment très très jolie. Et c'est pareil, je la porte justement avec mon short vert et je trouve que ça rend vraiment très très bien, vraiment un gros coup de cœur pour cette chemise. Ensuite, je vais avoir ce haut là, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Il est vraiment, enfin, c'est vraiment un haut super joli. C'est l'un de mes favoris vraiment de ce que j'ai acheté. Je le porte avec un short camel et je l'ai vu d'ailleurs sur le site porté comme ça. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée. Et franchement, il est juste super joli. Les manches sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un haut que j'aime beaucoup et je trouve ça frais quand même pour l'automne. Donc voilà, vraiment très sympa. Je suis assez mitigée, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai acheté celui-ci, qui me paraissait très très beau sur le site, qui est très joli, hein. Mais c'est vrai que les manches, ils n'ont pas vraiment pensé aux petites, elles sont hyper grandes pour moi, c'est juste une catastrophe. Et si je retrousse, bah forcément ça va gâcher la broderie. Donc je trouve ça trop dommage, et parce que la couleur j'aimais beaucoup, la broderie j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il fait très grand, enfin je sais pas, il y a un truc que j'aime pas là-dedans. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que celui-ci, je vais le rapporter. Ensuite, je vais avoir le deuxième, c'est pareil, je l'ai vu porter avec mon short vert, et je me dis, oh, franchement, les deux ensemble, ça fait trop bien. Et finalement, quand je l'ai essayé, c'est pareil, les manches sont trop grandes, et si je retrouve, ça va aussi gâcher la broderie, donc je trouve ça dommage. Et je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas, c'est sans plus pour moi, je sais pas trop, je suis assez mitigée en fait. Et donc, je sais pas trop si je le garde, si je garde pas celui-ci. Après, il est quand même assez joli, mais franchement, là, je sais pas. Ensuite, on va passer chez Calzedonia. Alors franchement, j'ai jamais acheté chez eux. J'ai acheté une fois une paire de collants. Et c'est vrai que les paires de collants, on va dire, avec des petits motifs, etc. Ça me tentait, mais c'est vrai qu'avec mes cicatrices, je ne savais pas ce que ça pouvait rendre parce que c'est quand même assez transparent, généralement, les collants comme ça. Du coup, je ne savais pas. Et finalement, ça fait trop bien. Et franchement, c'est juste super joli. Porter, ça donne vraiment un petit quelque chose de plus. Alors le premier collant, c'est mon préféré. Il a le nœud de mini en fait, pile poil au niveau du genou. Je vous ai fait une photo sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous parce que je poste assez régulièrement là-dessus. Et c'est un collant qui est juste trop beau. J'ai trop un coup de cœur là-dessus. Et ça rentre bien. Donc ici, c'est quand même assez transparent. Et le bas est en fait opaque. Donc ça fait comme si c'était un peu des grandes chaussettes. Enfin, c'est juste trop mignon. Franchement, j'adore ce collant. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci, c'est pareil, c'est collection Disney. Et c'est. Alors, là, je pense que vous allez rien voir, vous allez plus se voir sur les petites vidéos. Mais en tout cas, c'est plein de petites têtes de Minnie partout. Et enfin, de Mickey plutôt. Et c'est juste trop mignon, ça change un petit peu des pois qu'on peut voir en fait sur les collants. Et je trouve ça vraiment trop trop joli. Enfin voilà, c'est un petit détail, mais c'est plutôt mignon quand vous portez des shorts et des robes. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-ci, on peut voir qu'il est quand même assez transparent, mais c'est juste super joli. Vous avez des petits pois de partout. Et c'est pareil, c'est un petit motif plutôt sympa à porter que j'aime beaucoup. Et puis pour finir, on a les petites chaussettes. Alors les petites chaussettes, il y a une petite perle en fait tout simplement. Et ça se porte comme ça, je mets le nœud en fait à l'arrière. Et je trouve qu'avec des petites chaussures, moi je porte en ce moment des petites chaussures vernies. Et pareil, quand vous êtes en robe ou en short, je trouve que du coup ça fait trop mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup, ça fait très écolière, je trouve, je sais pas pourquoi. Et enfin voilà, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est pas excessif en prix parce que les chaussettes, il me semble que je les ai payées 5,95 € et les collants, je les ai payées 9,99 €. Donc je trouve que pour des collections, on va dire limitées, mis à part les poids, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Enfin, moi je trouve que c'est pas excessif en termes de prix, donc franchement craquer parce que c'est trop mignon.
Ensuite, j'ai craqué pour le disque exfoliant visage en silicone. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça, c'est en grande surface. Et en fait, je vous ai d'ailleurs fait une morning routine là-dessus. Vous pouvez voir la démo de comment je l'utilise. Et c'est houppette, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, vous pouvez le tenir comme ça avec les doigts. Et ensuite, vous exfoliez, vous mettez votre nettoyant visage classique. Et puis vous exfoliez, ça vous évite de prendre un gommage. Vous n'avez pas trop envie d'exfolier non plus à fond votre visage. Là, c'est vraiment tout en douceur. Enfin, les picots sont très doux, donc c'est vraiment pas agressif. C'est pareil, ça coûte 3 euros quelque chose. Et franchement, c'est super bien. Moi, je l'utilise assez régulièrement en ce moment. Et je trouve que c'est très très bien. Ensuite, là, on va passer dans un petit peu... Enfin, c'est un produit assez luxueux, on va dire. J'aime pas trop vous présenter des produits comme ça. C'est le Micro Sérum Hydra Beauty de Chanel. Et il est vraiment très très bien. J'ai craqué, je sais... Enfin... Je suis assez faible là-dessus, c'est vrai que je demandais une nouvelle routine parce que là mon visage c'est juste une catastrophe, elle est hyper déshydratée etc. Et là ils avaient sorti en fait le nouveau produit, la Hydra Beauty Micro Sérum, et il me l'a fait tester comme ça sur ma main et je trouvais ça juste génial, on a l'impression que c'était de l'eau en fait. Enfin c'est assez étrange et du coup ça m'a trop tentée. Et je sens qu'avec l'âge je commence sérieusement à avoir besoin de sérum etc. Et du coup bon bah voilà, je commence à utiliser des produits, des sérums en plus. Parce qu'avant c'était juste lotion et crème hydratante et puis c'était tout. Mais là je sens que j'ai besoin d'un sérum. Ensuite j'ai également craqué pour des lunettes. Alors des lunettes hyper vintage mais en même temps on est dans le truc. Alors là c'est des petites lunettes toutes rondes hein, tout simplement. Et je les aime beaucoup. Vraiment, enfin... On retourne vraiment dans le discret je trouve, avant c'était vraiment le... Enfin moi je sais que j'ai mes lunettes qui sont très grandes, noires etc. Et là on retourne un petit peu plus dans le discret mais c'est... Enfin c'est assez rigolo, moi j'aime bien parce que c'est des lunettes qu'on voulait surtout pas porter quand on était plus jeune. Et maintenant c'est vrai qu'on tombe en plein dedans et au final j'aime beaucoup. La monture est très 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 fine et en fait elles sont toutes argentées un peu en acier en fait. Et puis vous avez les branches qui sont en léopard et je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Moi je les aime beaucoup et c'est vrai que bah, même pour votre maquillage, je crois que quand vous êtes maquillée, du coup ça gâche pas, on voit bien en fait parce qu'elles sont tellement discrètes que... Enfin je sais pas, j'aime beaucoup beaucoup ces lunettes là. Et ce sont des, je me rappelle plus, des Philium. Donc voilà. Et comme je les achète chez Optical Center, du coup vous avez la deuxième paire qui est offerte. C'est pareil, on reste dans le rond mais cette fois-ci elles sont toutes en léopard. Et je trouve que justement pour la période automnale, vu qu'elles ont un petit côté orangé, je trouve que c'est juste trop mignon. Donc vraiment des lunettes que j'aime beaucoup. Je les ai eues, après je les ai payées je crois peut-être 100 euros les deux. Puisque avec ma sécurité sociale etc, enfin vous savez comment ça marche. Donc franchement pour deux paires de lunettes je trouve que c'est vraiment très bien. Mais en tout cas voilà je les aime vraiment vraiment beaucoup. Et ensuite pour finir, là on va passer carrément de l'automne à Noël. Mais voilà je me suis acheté un petit plaid comme ça juste adorable. Je l'ai trouvé chez Foirefouille et ça faisait trop longtemps que j'en cherchais un. Je sais pas pourquoi j'en trouvais pas. Il est pas cher du tout, il coûte 20, entre 20 et 25 je sais plus. Et franchement, pour Noël, ça va être juste top. Moi, j'aime bien être dans les thèmes un peu, voilà, les thèmes de saison. Je me vois très bien dans mon petit plaid, mon petit chocolat chaud devant les films de Noël. Enfin, voilà, j'adore cette fête-là, de toute façon, j'adore cette période. Et du coup, voilà, ce petit plaid rouge est trop joli. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le mettre. Et avec, j'ai ce petit oreiller... Petit coussin plutôt, en forme de cœur, pareil dans les mêmes tons, rouge, etc. Et les deux ensemble vont très 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 bien. Il y a également mon petit pull là d'ailleurs, celui-ci vient de chez Jennifer et je trouve que la couleur est vraiment sympa. Moi je trouve pour la saison le moutarde, j'adore, vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker. En tout cas ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Dites-moi également ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué en ce moment, vos magasins préférés, enfin voilà. Moi j'aime bien voir vos petits messages. En tout cas je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye.